Bonjour, c'est face au Mont Ventoux et à 12 km au sud-ouest d'Apt que je vous invite à la découverte du village de Beaunieu, le sud de la France balayé par les vents. Et oui, ici les vents forts font partie intégrale du paysage. Avant d'arriver à Beaunieu, quelle que soit votre route, c'est d'abord le sommet du clocher de l'église que vous apercevrez de très loin. Après avoir grimpé 86 marches de pierre de la vieille église, vous pourrez découvrir sous des cèdres centenaires un panorama immense et vraiment superbe. Du haut de ses 485 mètres, il domine le somptueux paysage et veille sur ce magnifique village perché du Luberon. Posé en palier à flanc de falaise, au-dessus de la vallée, Beaunieu fait partie des plus beaux villages de cette région. Les couleurs et les senteurs de la Provence nous accompagnent durant cette visite. Du sommet du village, on peut apercevoir les monts du Vaucluse, les villages de Gordes et de Roussillon. Sur cette image, on peut apercevoir les effets du vent sur la nature. C'est donc avec délices et émerveillement que vous pourrez vous promener dans les rues du village et que vous découvrirez les richesses architecturales du patrimoine de Beaunieu. Quelques superbes résidences du XIVe, XVIIe et XVIIIe siècle vous rappellent que Beaunieu fut une ville prospère à l'époque où la région du comté avesnésien appartenait au pape. Et plusieurs évêques choisirent Beaunieu pour lieu de résidence. À proximité de Beaunieu, de nombreuses randonnées à pied, à vélo, vous permettent de découvrir le Luberon, la forêt des Cèdres, le plateau des Claparèdes, le village de Lacoste, Ménerve, Biou, son château et ses falaises d'escalade. Siverg, Seignon, nous sommes au cœur du Luberon. Les résidences de villégiature et résidences secondaires y sont nombreuses dans les anciens mâts agricoles restaurés.
un dédale de ruelles nous invite à l'exploration. Quelle délicieuse odeur de lilas! La commune s'étend sur 5112 hectares de la vallée de Calavon aux crêtes du Luberon et à la combe de Lourmarin, voie d'accès au sud Luberon. En 2017, on y comptait 1315 habitants. Bonnieu est chef-lieu du canton, dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du paléolithique au 1er siècle, vous y trouverez des abris naturels au creux des combes, des vestiges de riches villas gallo-romaines. Après l'effondrement de l'Empire romain, face aux invasions, les habitants se réfugièrent sur les anciens oppidas. Le territoire passe ensuite au comte de Toulouse en 1274. Bonnieu constitue une enclave en terre pontificale, administrée par Rome ou Avignon pendant 517 ans. Voilà, mon petit reportage sur le village de Bonnieu s'achève. J'espère que nos images vous donneront envie de venir découvrir ce charmant village en Luberon. Et merci de votre attention.